Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors nous voici aujourd'hui dans un petit let's play de Dead Rising 3 sur PC. Et nous allons commencer l'histoire. Chapitre 0. Donc j'ai pas joué aux précédents épisodes de la série. J'avais commencé le jeu un petit peu tout à l'heure pour voir si ça tournait bien. Donc il y a une petite astuce parce qu'en fait j'avais un petit problème, j'avais que 30 FPS. Il y a une petite astuce pour débloquer les FPS que je mettrai dans la description, peut-être à la fin de la vidéo, on verra. Donc là, je joue en ultra et en 1080. Et nous allons aller casser du zombie. 72 heures après le début de l'épidémie, Ignobilus revient pour faire un massacre. C'est le bordel par là. C'est une guêpe, ça. J'ai trouvé un moyen de quitter la ville. On est tous morts. Très bonne question. C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Bon, sur ma Radeon 7870 et mon Core i5, je tourne à tout en ultra. Et les textures en 1080, je tourne à 40 FPS à peu près. Oh, de la binouze. Non, bah je peux pas attraper la binouze. Non, je peux pas attraper la binouze. Trouver des réserves. Tiens, la voiture de police. Sûrement.
Oh, il fait tout noir. Eh ben dis donc, il y en a des vilains pas beaux. Trouver une sortie. La sortie est par là. Ouais, c'est peut-être bien ça. Ah, salaud, il m'a fait peur. Ah, dans les couilles, ça fait mal. Tu saignes. Et voilà, voilà, il en a pris plein la gueule. Oh, une hache. On va prendre la hache. C'est quoi ça? Une perceuse? Ça, c'est peut-être bien la perceuse. C'est la perceuse. Et je l'avais pas vu celui-là. Un saut? Non. Finalement, je vais peut-être prendre plutôt la hache, tuyau en plomb, non. Elle est où ma hache? C'est quoi ça? C'est quoi vous? Ah, c'est mieux ça. Du bon sang qui gicle. Ça fait du bien. Par contre, pas touche vilaine. Elle est où la vilaine? Ah, je vais pousser, elle est morte. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien. Preserver. Bien la vilaine. Bouge encore. Voilà. Chariot à roulette. Tu veux que je shoot d'un chariot à roulette? Putain, c'est qui? C'est qui? C'est méchant. Banzai! Biche.
difficile, parpaing. Tiens, prends un parpaing dans la gueule! Ah bah j'ai raté. Raté. Il est con. C'est nul le parpaing. C'est quoi ça, de la dynamite? Dynamite. Trop près pour que je le fasse péter à la dynamite. Je vais quand même essayer la dynamite. Juste pour voir. Va chercher. Il va chercher ce point en plus. Ouais, bah, c'est raté. Bon, il n'y a plus de dynamite. Oh la vache, il a volé le machin. Nourriture chinoise, je mange. Je me suis trompé de bouton. Sac poubelle, il y a quoi là-dedans? Rien à bouffer là-dedans. Je sais pas pourquoi il est obligé de lâcher sa hache quand il bouffe. C'est quoi ça? Merde. Ben, on ouvre là bien. Comment faire? Il va pas se mettre à pleurer quand même. Tu as un mouchoir? Au resto. Au resto? Pourquoi il veut aller au resto? Au resto. C'est mal barré. Hein. Oh, un keuf. Oh là là, un avion. Quel atterrissage. Carnage. Elle est où ma hache? Ah, des coups de moteur dans la gueule, ça fait mal ça. Ah.
Ah, ça gicle. Ah, le salaud, il mange, il m'a mordu! Ah, je suis plutôt mal barré. Ah, il y a... Il m'attaque quand je bois. Bon, faut que je retrouve quelque chose. C'est quoi ça? De la viande? De la viande. Ah bah non! Bah non. C'est marqué viande, je peux pas la manger. Ce bordel. Ah d'accord, c'est de la viande qui se mange pas. Et alors, laissez-moi prendre le... Laissez-moi prendre la... Allez, attaque. Une bière, ah, une bonne binouze, ça va mieux après une bonne binouze. Bon, y a-t-il quelque chose là? Un extincteur. Pas vu cet enfoiré. Merde, comment je vais faire pour revenir au resto? Ouais, là c'est mal barré, il me faudrait de la dynamite là. Allez, on y va. Un petit bélier. Et pousse la bagnole, ces enfoirés. Ah d'accord. Efficace ce couteau de cuisine. Ça doit être mieux ça.
Voilà, ça c'est mieux ça. J'en ai éclaté un petit quand même. Par là. On va éviter de tomber dans le trou. Allez, viens, ma viquette. Petite planche. Faire ça. Perceuse, casque de chantier. Je peux pas le mettre sur la tête. Ça. Ah d'accord, il y avait à manger qui était caché. Encore à manger? Non, à boire. Alors ramasse le tuyau. Sac de billes. On veut pas de ça. Au restaurant. Qu'est-ce que tu m'as fait de paraître bon à manger, ma biquette? Ne vous soulevez pas déjà assez de problèmes. Salut, Annie. Je croyais que vous étiez mort. Vous avez trouvé quelque chose à bouffer ou un flingue? J'ai trouvé ça là-bas. Oui, mais j'ai tout mangé. Ah, c'est pas mal, ça. Tu me la prêtes? Il faut que je me tire d'ici. T'as de la famille à retrouver? Mes parents? J'ai personne. Moi non plus. Ça vaut mieux comme ça, parfois. Dernière. On est presque à court de toi. Tu vois, si les gens comme toi se pouvaient poser des puces comme des citoyens responsables, on serait pas dans ce merdier. Tous ces gens sont pistés par GPS. Ils sont prisonniers. Ils respectent juste la loi. Ces puces GPS contiennent du Zombrex. Elles empêchent les infectés de devenir des zombies. Bah, ça a pas l'air de marcher terrible. Regarde dehors. Oh, les illégaux, vous n'êtes que des emmerdes. Vous pourriez pas la fermer? Ils vont nous entendre. Je te conseille de calmer, petit con. Du moment qu'ils sont dehors, inutile de s'inquiéter. Ouh là là, ça va chier. Non, je ne veux pas mourir. Non, maman, ça va aller, d'accord? Promis, je laisse personne te faire du mal. Oh, Peter, j'ai tellement peur. Oh, cousin, regardez ce gars. T'as l'impression qu'il se souvient de sa vie d'avant? On va tous mourir ici. Non, ne sortez pas. Non. Ah bah trop tard. Non,
bout d'un oreille. Hein. Ok tout le monde, préparez-vous à courir. Putain, où est-ce qu'on va aller? De mon garage à Ingleton. Les murs sont épais, ça nous laissera le temps de réfléchir. La télé marchera peut-être. Je veux bien sortir d'ici, mais je vais pas dans ton garage. Il y a des gens qui m'attendent. Écoute, tu devrais venir avec moi. Là, je vais prendre le risque. Ami Nick, les zombies vont défouler d'une minute à l'autre. Il faut faire quelque chose. On n'a rien pour les affronter. Toi, t'es bon pour le bricolage. Il y a plein de trucs qui traînent dans le coin. Je vais essayer de fabriquer un truc. Combiner deux armes. Alors. Réfléchis. C'était le bouton B. Ah, c'est efficace. Bon, allez, on les finit. Ah ouais, pas mal. Pour donner un objet. Super. Mille merci. Oh merde. Tiens, prends ça toi. Merde, je me suis trompé de bouton. Et désolé. C'est quel bouton pour donner? La merde. Ok, je me rappelle plus le bouton. Ne poussez pas à vous affronter. C'est pas bon. Je peux pas découper la voiture.
qu'on est, y a plus personne, ben, je vais prendre un petit. Il peut pas les ramasser lui-même les trucs. Là. Il faut baisser cette barrière. Ben, j'ai rien à lui donner, un sac à main. C'est pas ce bouton là. C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. Un gant de boxe. Quel bouton faut pour donner un truc. Là, je crois quand même qu'on boxe. Tu vas le prendre mes gants, oui, bien merde. Allez. Il veut pas prendre mes gants de boxe. C'est quoi à partir? Ah, des grenades, ça c'est bien ça. Les grenades, il va t'y en vouloir. Il veut rien. Yeah.
un petit saut là, je sens le petit saut là. Oh la vache, j'ai cassé la voiture. Merde le con. Je me suis trompé de bouton. Oh là là. Non, il me faudra bouffer moi. Y'a rien à bouffer par là. Autre chose là. Les gambox, ça y est. Oh là. Je suis mal barré là. Je suis mouru. On reprend, je suis mouru. On reprend là. Faut passer de l'autre côté, je sais plus. Et ils s'accrochent les salauds. Je casse la barricade. C'était pas vraiment le truc à faire, à mon avis. Bah alors, monte dans la bagnole, toi. Bah, tu me vois pas. Passer, je crois. Je vais essayer par là. Allez, nana.
T'as deux, toi? Ah. On va pouvoir souffler un peu. Quel qu'il a. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a par là? Un pistolet. Oh, c'est bon ça.
pas de fric là-dedans. Alors j'ai quoi comme truc là, finalement là. La caisse enregistreuse, c'est pas mal ça, je vais la garder. Bon ben voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Dead Rising 3. Allez, ciao les biquets, ciao les biquettes. À la prochaine.